Je suis chopé des numéros. Putain, je pète la forme. J'arrive en boîte, je fais des abdos. Ce soir, j'ai pris tout ce qu'il faut pour nettoyer le cerveau. De toute façon, moi, c'est du matin au soir, même au boulot. Je m'en suis mis plein la gueule. Je suis une prise électrique. Ce soir, j'ai plus d'énergie qu'une énergie drink. Et pour pas être en manque, moi, j'en ai pris sur moi. Au pire, tu sais quoi, j'en trouverai. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Paul64500. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur FIFA 13. Je crois que c'est la cinquième déjà. Donc, ça passe super vite. Et dès le début de la vidéo, je tiens à m'excuser pour le problème qu'il y a eu sur la quatrième vidéo, donc la vidéo juste d'avant. Et donc, je tenais à m'excuser parce qu'il n'y a pas eu la fin de la vidéo. Donc, on a gagné, je crois, 1-0. Oui, par un magnifique but d'Eden Hazard. Et donc, pour m'excuser, on va gagner ce match. Et donc, après le match, j'ai acheté Ruiz et ben, il a signé. Et donc, je sais pas si on va le faire jouer. Donc là, c'est le dernier jour pour les transferts. Donc on va avancer. Hein. Moi, je pense que j'ai fait une bonne saison de transfert. Regardez. Donc, négociation ayant réussi, on a fait signer Kyle Walker. On a fait partir Oriol Romeo. On a fait partir Ibanovic, Blackman en prêt. Et Dembaba. Ben, il a quitté le club, je sais même pas pourquoi, parce que c'est un club rival en plus. Et Wanuni, on l'a fait rejoindre le club, donc c'est ça qui. Il vaut 160 millions d'euros. Et pour l'instant, et on l'a acheté à 160 millions d'euros. Donc, non. Je dis des petits, je dis 160 millions d'euros, ça commence à faire beaucoup. Non, c'est le salaire. 160 000. Donc, Galas ne veut pas aller à Palerme. Helms, Wolfsburg ne veut pas que Helms aille à Parma. Donc, plein de discussions inintéressantes, on va dire. Et donc, il reste 5 heures. Et PSG, le club va se faire recruter Juan Mata dans les prochains jours. T'es fou, Carlo Ancelotti. Ou Laurent Blanc, je sais pas si j'ai téléchargé si j'ai mis la mise à jour. Juan Mata, donc 38 500 000 euros. Oulala. Il vaut 36 500 000, il me demande 38 500 000, je peux qu'accepter. Même si on perd un joueur de grand talent, de grande capacité. Mais je sais pas s'il aura le temps de signer. Mais de toute façon, Juan Mata ne veut pas aller à Paris. Donc c'est très bien. Donc, c'est la fin des transferts. Là, il n'y a pas eu beaucoup de transferts. Hein. 38 225 000 euros seulement. Dépensés aujourd'hui dans tout le monde. Donc, quoi? Ah non. Mourinho, il va pas aller entraîner la France. Il va rester à Chelsea tranquillement. Donc, on arrive pour le match face à Wigan. Je vais faire un peu tourner l'effectif parce que, comme vous voyez, donc je vais vous montrer sur le calendrier. Dans 3 jours après, on a le match contre le Borussia Dortmund. Gros match. Et en plus, on a déjà joué. Ils ont joué un match de préparation. J'avais pas fait la vidéo sur ça, mais je crois qu'on les avait battus. Et donc,
on joue contre Reading, donc ça devrait être assez facile. En plus, ils sont 20e au classement, donc on peut faire tourner l'effectif. Donc tout le monde est en forme, je crois. Non, pas Kyle Walker ni Bertrand. Bertrand, on va le laisser jouer. Pas Kyle Walker, on va faire jouer Aspilicueta. Ok, on peut le faire jouer. Donc David Luiz ou John Terry, on va faire sortir John Terry. Frank Lampard, John Obi Mikel. On peut mettre Ramirez à la place de Frank Lampard. Oscar Malouda, Juan Mata, c'est possible. Wanuni devant, non. On va mettre Lalkovic, Wanuni. Cette fois-ci, ne va pas être sélectionné. On va mettre Fernando Torres à sa place et à l'école aussi, on va le faire jouer. Ah non. Ouais, tous les remplaçants, ils sont en forme. Ah non, c'est le moral. Je me disais aussi. Bon, on va laisser comme ça. Donc, on va jouer ce match. Donc, on joue en bleu, eux, ils vont jouer en rose. Faut but jouer match. Ben, pas de match en même temps. Donc, c'est bien. Donc, j'ai pas regardé si on était quatrième au classement. Je crois qu'on est premier, dans les premiers. On est troisième. Et si on gagne ce match, on peut être premier. On a de fortes chances de gagner ce match. Hein. Je peux vous le dire, ça. Parce que le troisième face au 20e, quand même. Le 20e, le dernier. Donc ce serait chaud quand même si on perdait. Donc on arrive au match. Je crois le troisième match troisième match de première ligue. Puisqu'on a 6 points en 2 matchs. Donc on va essayer de faire une continuer sur notre lancée de 2 matchs de victoire. Donc on joue à Stamford Bridge en plus. Sauf qu'il pleut. Ah, que capitaine, mince, j'aurais dû mettre David Luiz, mais c'est pas grave. Donc là, on va pas tout filmer, sinon ça va prendre trop de place sur la vidéo. Et Chelsea qui va engager. Lalkovic pour Juan Mata. Obi Mikel qui va jouer avec Ryan Bertrand, je suis même pas sûr s'il s'appelle comme ça. A que pour Aspilicueta. Aspilicueta qui revient de son match, qui revient après être réserviste. Hein. Puisque j'ai fait tourner mon effectif en Coupe d'Angleterre, je crois. Donc là, c'est Juan Mata peut-être sur son pied gauche. Non, il va jouer avec Obi Mikel pour personne, puisque c'est récupéré par Gunther. Obi Mikel qui presse et qui récupère ses ballons, mais ça arrive en touche. Guthrie pour Dat. Je connais même pas la moitié des joueurs de Wigan. Donc Obi Mikel qui récupère, Obi Mikel pour peut-être Oscar pour Juan Mata. Il y a une faute des joueurs de Reading. Ramirez pour Oscar. Oscar pour Malouda. Malouda sur son pied droit et ça ne rentre pas. Guthrie qui va sûrement jouer tout seul même. Il joue derrière avec McKenough. Et David Luiz, irréprochable pour l'instant de la tête. Et c'est récupéré par Oscar. Oscar qui va jouer avec Ramirez. Ramirez pour Lalkovic. Lalkovic qui a signé un doublé au dernier match. Et Lalkovic pour... Et le pénalty sifflé en faveur de Chelsea. Il a été totalement fauché. Et c'est Obi Mikel qui s'en charge. Non, je pense pas. On va mettre Juan Mata. Ça va être bien. Juan Mata qui va tirer à gauche. Et on a eu chaud parce que le gardien est parti de bon côté. Mais le premier but du match, il est en faveur de Chelsea à la 13e minute sur penalty. Juan Mata, numéro 10, qui est resté à Chelsea. Il a une proposition de contrat pour le PSG, mais il est resté à Chelsea et il l'a bien fait. Date pour Caracan.
Oscar qui récupère, Oscar qui va jouer tout seul et en même temps il est seul. Oscar qui voit Ranmata tout seul, Ranmata sur son pied droit, qui n'a pas réussi à faire le doublé. Bel arrêt du gardien. Ranmata encore lui pour le corner. Ranmata sur le gardien, Taylor. Et donc, dégagement de Taylor sur... Oula, on a failli se faire prendre le ballon. Franchement, ça presse très bien du côté de Reading. Et Ake qui vient de reprendre son ballon. Flora Malouda. Flora Malouda qui va jouer avec Oscar. Oscar avec... qui n'arrive pas à retransmettre à Malouda. Malouda, deuxième match d'affilée où il est titulaire. Mais c'est juste... ne vous inquiétez pas, c'est juste pour faire tourner l'effectif avant le match de Ligue des Champions. Ranmata qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Le bon dégagement des joueurs de Reading. Nessid qui voit sa balle être reprise par Ramirez. Mais le bon pressing de Nessid qui récupère et qui fait la passe à McCaneuf. Aspilicueta qui n'arrive pas à reprendre ce ballon. Et David Luiz qui va faire un très bon tacle qui remet sur Aspilicueta. Aspilicueta qui va jouer avec Oscar. Oscar pour Flora Malouda. Flora Malouda, ça joue très collectif. Hein. Flora Malouda qui essaie de dribbler, c'est fait. Lalkovic, numéro 53 des Blues, peut-être pour le 2-0. Non, il va jouer plus derrière. Et Ramirez de la tête, je crois qu'il était hors jeu de toute façon. Mais c'est bien dégagé par les joueurs de Reading. Nessid. Nessid qui est tout seul. Voilà, Aspilicueta qui reprend ce ballon, l'ex-Marseillais. Et c'est David Luiz qui a la balle maintenant. Bertrand, lui non plus ne sera pas titulaire pour le match face à Dortmund dans la prochaine vidéo normalement. Donc Flora Malouda qui déborde peut-être pour la tête de Lalkovic. Et le but de Lalkovic, 3 buts en 2 matchs, c'est énorme ce qu'il nous fait. Il est en forme, Lalkovic, et suite à un très bon centre de Flora Malouda aussi. Là, j'aurais du souci pour faire la composition d'équipe entre Fernando Torres, Lalkovic et Wayne Rooney. Ça va être difficile. Caracan qui a la balle pour Guitry. Nessid qui dribble tout le monde, mais c'est bien récupéré par Ake. Aspilicueta pour Oscar. Oscar qui reprend bien ce ballon. Oscar qui va arriver au milieu du terrain. Oscar encore toujours lui. Oscar qui se fait reprendre le ballon suite à un très gros physique d'un des joueurs de Reading. Bertrand qui voit sa passe interceptée par Nessid. David Luiz qui récupère. David Luiz la moitié du terrain, mais c'est bien récupéré par McLeod. Das. Et encore lui, Dat. Et McLeod de la tête. Non, c'est Ake qui récupère. Malouda pour Lalkovic. Lalkovic qui va jouer avec Malouda. Pour Bertrand, excuse-moi. Et Bertrand qui, je sais pas ce qu'il nous fait. Fait un très mauvais centre. Donc c'est récupéré par McCaneuf. McCaneuf pour Nessid. Là, qu'est-ce qu'il nous fait, Spilicueta? Il a failli mettre la balle en corner, heureusement que c'est qu'une touche. Et le centre, mais c'est bien récupéré par Robbie Miquel. Date pour la frappe de son coéquipier et Petr Cech en deux temps qui récupère ce ballon. Aspilicueta pour Oscar, mais il n'arrive pas à récupérer le ballon. Nessid pour Date et il n'a pas cadré. Franchement, c'est dommage pour Reading bien sûr. Et heureusement qu'il n'a pas cadré pour nous. Hein. Ça aurait fait 2-1, il serait revenu à la marque. Oscar pour Lalkovic. Lalkovic et les Blues qui se réveillent après ce petit temps mort, on va dire, des Blues. Et deuxième penalty des joueurs de Reading
en faveur de Chelsea, bien sûr. Et encore Juan Mata qui va s'en charger avec son magnifique pied gauche. Cette fois-ci, on va changer de côté, on va tirer à droite. Et on marque encore une fois sur penalty, 3-0 en 45 minutes. Franchement, ça commence à être très très lourd pour Reading. Et nous, on prend de l'avance sur Arsenal pour l'instant, qui parce qu'on est à égalité. Et si on gagne avec beaucoup de buts d'avance, ben on passera devant. Donc Karakan qui fait un contrôle pourri, j'ai envie de dire, et qui récupère tant bien que mal ce ballon. Nessid, mais qui voit sa passe interceptée par Ramirez. Ramirez qui n'y est pas pour l'instant. Et donc Dad qui se fait reprendre par David Luiz et Aku. Ramirez pour Oscar. Et c'est la mi-temps. 3-0 en 45 minutes. C'est dur, très très dur pour les joueurs de Reading. Je crois que pour l'instant ils ont fait deux défaites. Ou une défaite nulle. Et franchement, c'est surtout grâce aux pénaux hein, qu'on gagne. Parce qu'on a eu deux pénalties. Donc on va voir les notes des joueurs. Donc je pense, ouais, Juan Mata, homme du match avec son doublé. Lalkovic aussi, 7,7. John Mikel et Ramirez qui n'y sont pas. Hein. 6,5, 6,1. Aspilicueta pourtant qui est bien. Que j'ai vu dans ce match qu'il était bien. Sauf qu'il est 6,5. Bertrand, oui, 6,9. C'est juste des défenseurs latéraux. Et les milieux défensifs qui n'y sont pas. Du côté de Reading, c'est Taylor le meilleur. Le gardien est 6,5. Donc ça explique bien qu'on gagne. Donc Morrison qui fait un dégagement directement. C'est bien récupéré par Dat. Dat pour Guthrie. Mais c'est bien récupéré par Juan Mata pour Oscar. Oscar qui va jouer sûrement avec son pied droit. Il va se rentrer sur Lalkovic. Lalkovic de la tête, je sais pas ce qu'il a fait. Fait Malouda qui a failli marquer. Mais il n'a pas réussi. Puisque c'est arrêté par Taylor. McCanneuf pour Nessid. Non, c'est bien récupéré par Bertrand. Obi Mikel pour Flora Malouda. Qui voit sa passe interceptée par McLeory. Obi Mikel sur Juan Mata encore. Juan Mata, il est en forme et il le prouve. Juan Mata qui n'a pas réussi à faire sa passe. Et c'est récupéré par Gunther. C'est contré et c'est récupéré par Ramirez. Et Oscar. Oscar qui voit Juan Mata. Juan Mata qui occupe la grosse faute sur Juan Mata. Mikel pour encore lui, Juan Mata. Et Juan Mata qui va encore dribbler tout le monde. Juan Mata sur son pied droit et la frappe est contrée. Un triplé, ça aurait été magnifique pour Juan Mata. McLeary qui va sortir. Remplacé par qui? Remplacé par... C'est pas le suspense. Remplacé par Kébé. Obi Mikel qui va se charger du corner. Et Malouda de la tête peut-être, mais qui ne cadre pas du tout sa tête. Et donc, toujours 3-0 à la 55e minute. Nessid de la tête peut-être. Non, c'est David Luiz sûrement qui va la récupérer. Non, c'est Nessid pour McCanneuf. Et le bon tacle de Aspilicueta. Même s'il pleut, on n'hésite pas à se tremper. Et McCanneuf. McCanneuf pour Choré. Et Aspilicueta, encore lui, qui refait un très bon tacle, qui permet à Chelsea de reprendre... non, pas de reprendre le ballon, mais de faire d'avoir un gros avantage psychologique. A que de la tête en deux temps, même en trois temps pour dégager ce ballon. Et Juan Mata qui reprend ce ballon. Juan Mata qui va jouer sûrement avec Oscar, c'est fait maintenant. Oscar qui va tenter de dribbler les défenseurs. Oscar sur son... Oh, faute, monsieur l'arbitre. Normalement, il y a pénalty, là. Il y a trop pénalty, quand même, ça aurait été chaud. Et Oscar qui va jouer avec Ramirez. Ramirez, pour personne, c'est dégagé. Mais
Non, parce qu'on n'arrive pas à récupérer. Date. Date pour Guthrie. Guthrie qui va tenter de dribbler, mais il fait la passe à Kébé. C'est bien récupéré par Bertrand. Malouda. Malouda, et là je vais faire pause pour faire une gestion d'équipe, pour faire un changement. Regardez là, Oscar qui est très fatigué, on va le remplacer par Mose. Je sais pas si ça se prononce Mose, Moses. Date. Date qui fait la passe à McCanneuf. Et qui remet pour Nessid. David, qu'est-ce qu'il y a eu? Sûrement une faute. Oui, une faute des joueurs de Chelsea. Guthrie qui va tenter de tirer, peut-être. Non, il n'y arrive pas. Et c'est Aubameyang qui récupère. Aubameyang qui fait, en fait, pour l'instant, un très bon match, surtout en deuxième période. Et Aubameyang là qui n'a pas réussi à dribbler le défenseur. Et McCanneuf, on ne voit que lui pour l'instant, du côté de Reading. Et pour qui remet sur date, et la frappe totalement non cadrée. Hein. Il a... Même moi qui est gardien, je pourrais la mettre. Donc, sortie de Oscar, entrée de Mouse. Donc, voilà, numéro 13 de Mouse, qui va tenter de peut-être lui marquer. Il va participer à la fête. Aubameyang de la tête peut-être. Non, c'est bien récupéré par les joueurs. De Reading, mais Malouda. Malouda qui loupe sa passe. Bertrand. Guthrie. Pour Becky. Et Bertrand qui récupère. Bertrand pour Flora Malouda. Flora Malouda, il a failli mettre en touche. Mais il récupère cette touche. Sortie de date. Entrée de Pogrebiak. Aubameyang pour Ramirez. Ramirez qui va tenter de dribbler. Ramirez encore lui. Ramirez qui a dribblé le défenseur. Il l'a mis dans le vent, qui fait la passe à Moss. Moss pour Lalkovic. Lalkovic qui a tiré une tentée de loin, mais on arrive à récupérer un très bon corner. Ça va être tiré par Juan Mata, l'homme du match pour l'instant, je pense. L'homme du match à la fin du match aussi. Et c'est bien dégagé par les joueurs de Reading. Pogrebiak. Pour personne, il dribble Bertrand, mais c'est bien récupéré par les joueurs de Chelsea. Florent Malouda qui n'arrive pas à dribbler, franchement, il n'y est pas en cette fin de match. Et personne n'y est en cette fin du match, c'est pour ça qu'on va faire un changement. Et Florent Malouda et Juan Mata en même temps, ils sont super fatigués, ils ont fait quand même un gros match. Surtout Juan Mata. Et donc Bertrand. Bertrand qui fait la passe à Malouda. Malouda qui va jouer avec Lalkovic. Lalkovic qui va jouer peut-être qui a vu Mouse. Mouse qui remet sur Lalkovic. Et l'appel de Florent Malouda. Florent Malouda qui s'est fait reprendre ce ballon par Gunter. Donc Kébé. Kébé qui fait des bons appels quand même. Et Kébé qui est récupéré par... Ramirez. Mais je reviens avec Pogrebiak. Et donc encore lui Kébé. Mais qui loupe totalement son centre. Regardez comment il aurait dû contrôler. Regardez ce qu'il nous rate quand même. Donc sortie de Florent Malouda. Qui a fait, je pense, son meilleur match de la saison. Pour l'instant. Donc entrée de Eden Hazard, le Belge. Donc Petro Cech au dégagement qui va jouer avec Ake. Ake pour David. Ouh là là, l'erreur de Ake. Petro Cech qui va sortir. Le bel arrêt de Petro Cech. Ake, franchement, il n'y est pas. Enfin, il y est, oui. Mais là, il a fait une énorme erreur. Heureusement que Petro Cech récupère ce ballon. Mouse pour Morrison qui reprend ce ballon. Et c'est Shuri. Je crois qu'il vient de rentrer. Donc, un joueur tout frais. Tout frais. McCanneuf pour Nessid. C'est bien récupéré par Azpilicueta. Et on n'arrive toujours pas à garder ce ballon. Il presse très très fort du côté de Winning. Et Ake qui est très bon de la tête. Et il le prouve. Il dégage ce ballon. Ça revient avec Karakan. Pour Pogrebiak. Et
Encore lui pour Grignac. David Luiz, le bon dégagement. Pour peut-être Eden Hazard, non, c'est trop long. Donc, une touche en faveur des joueurs de Reading. Donc, comme on l'a vu, 3 minutes de temps additionnel, je pense qu'il en reste une ou deux maintenant. Et Bertrand à la touche. Eden Hazard. Eden Hazard qui loupe son dribble en même temps. Il n'est pas encore très chaud. Ouh là là, Owen Mikkel, on sait pas ce qu'il nous fait lui non plus. Corner totalement. Donc tiré par McCaneuf. McCaneuf pour... Là, quelle belle action. Et je crois que c'est repoussé par le poteau. Et donc... C'est encore retiré. Et cette fois-ci, on arrive à se dégager. Non, penalty. Qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? Je crois que c'est une faute de Hake. Donc, on va tenter de... Oh, Petrotsch qui la dévide dans ses cages. 3-1. On aurait pu rester invaincu. Ne pas se prendre de but, mais on n'y arrive pas. Oh là là. À la 90e minute, en même temps, ils ont poussé. Et... dans ces dernières minutes. Et en même temps, il est... Oh là. Et la grosse erreur. Mais heureusement, c'est la fin du match. On va se quitter, comme d'habitude, sur un petit résumé. Donc, les buts. Juan Mata, Lalkovic, Juan Mata encore lui. En une minute, et Nesid sur penalty. Qui a marqué à la dernière seconde. On peut dire ça comme ça. En tout cas, dans les dernières minutes. Et donc, on gagne. On a deux buts. On a gagné deux buts au goal average. Donc, on prend les 3 points pour l'instant. 9 points en 3 matchs. C'est bien quand même. Et voilà. On revoit le penalty de Juan Mata et le but de Lalkovic sur le beau centre de Florent Malouda. Donc, moi je vous dis ciao, bye bye. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre des pouces verts, tout ce que vous voulez. À vous abonner, mettez des commentaires. Et donc, à la prochaine. Ciao, ciao.